Salut la compagnie. Bon, j'ai pas vraiment réfléchi en fait au prochain livre que j'allais lire. Je me suis réveillé ce matin. J'ai consulté mon envie. Et puis je suis tombé sur Vie et mort de la jeune fille blonde de Philippe Génada. Alors, c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années. J'ai relu, je crois que ça va être la troisième fois, non, ou quatrième fois. Et qui m'a fortement impressionné. Donc, c'est très étrange parce que Philippe, que je connais un petit peu, qui est un type adorable, enfin, une sorte d'ours, très étrange et très intéressant. Il a écrit des livres beaucoup plus qui se présentent comme plus importants en fait, qui se présentent comme et qui sont plus longs. Mais celui-là, Vie et mort de la jeune fille blonde, il m'a cueilli en fait. Il m'a cueilli. Donc je sais pas pourquoi. Ça doit être moi quoi. Et donc c'est un récit, parce que c'est bon quoi, j'ai fait deux livres, Autoportrait d'Édouard Levé et Nounou d'Emmanuel Pagano qui étaient en fragmenté quoi. Donc là c'est un récit. Et alors je ne sais pas trop comment je vais réussir à le lire, dans la mesure où la grande spécialité de Philippe Génada, c'est quand même les parenthèses, et quelquefois les parenthèses dans les parenthèses. Alors comment ça se lit une parenthèse? Je peux le lire, c'est compliqué. Comment moi, avec le ton de ma voix, je vais pouvoir. Hein? Voilà, c'est un grand pro de la parenthèse. Il a vraiment instrumentalisé, il y en a plein. Donc je pense qu'à la lecture, ça va. Je vais pas réussir, quoi. Je vais pas faire un signe genre parenthèse. Vous voyez, c'est. Je sais pas si on le voit. Ah non, on va pas le voir. Donc je sais pas comment je vais lire les parenthèses. Surtout qu'elles sont placées à des endroits originaux. Il joue avec. Je change de voix. Je prends la voix de Titi quand c'est entre parenthèses. Et puis une voix de baryton quand c'est pas entre parenthèses. Ça va être complètement ridicule. Et donc voilà. Je vais lire comme je peux ce livre de Philippe Génada. Et pourquoi est-ce qu'il m'a beaucoup marqué? Je me suis posé la question, en fait. Je l'avais dit à Philippe à quel point il m'avait marqué ce livre. Il avait trouvé ça très étrange parce qu'il m'avait dit c'est un livre qui a eu peu de succès. Il y a eu des livres de lui qui ont eu beaucoup plus de succès, des prix de Flore, etc. Et celui-là, il est passé à l'as. Et pour moi, c'est un des meilleurs. C'est un geste, c'est une course comme ça, d'un seul mouvement. Et voilà. Donc en termes de reconnaissance, de vente, apparemment c'est l'équivalent d'une phase B, vous voyez. Et pour moi, c'est une putain de phase A. Comprenez? Donc c'est ça que je vais dire. Allez, Philippe Génada, première, clap, action, Vie et mort de la jeune fille blonde. Bon, déjà le titre est une tuerie, je trouve, une tuerie. Blou, blou, blou. Alors c'est dédicacé à Joe, Bub et Gwen. Très étrange. Puis là, pour ses chapitres. Hein, il chapitre avec juste le. Il fait 1. Vous voyez? J'aime bien, c'est un petit détail. 1. Le chapitre 2, c'est pas chapitre 2, c'est 2. 3. C'est un détail, mais la modernité, c'est. Enfin, la modernité, ça veut rien dire. Enfin, les petits décalages qu'on peut faire, voilà, qui vont marquer une époque, quoi, qui veulent dire que qu'on n'est pas. On est. Voilà. On respecte. Une certaine tradition, mais on crée un petit décalage. C'est maintenant. On est maintenant. Ça se joue aussi beaucoup dans les détails, en fait. Donc là, c'est pas chapitre 1.
c'est 1. 1. J'aime bien. 1. Sur sa couille. On dirait une attaque viking. 1. Allez, on y va. On y va, les petits vikings? Un dimanche soir de l'année dernière, au début de l'automne, mes amis Mourati ont organisé un grand dîner dans leur maison du 14e arrondissement à Paris. Mon sac matelot à l'épaule, je marchais dans l'impasse obscure qui conduisait chez eux. Ils organisaient de petits dîners tous les soirs de la semaine et de grands dîners 5 à 6 fois par mois lorsqu'ils se sentaient vraiment seuls, perdus sur la terre qui tourne. Souvent le dimanche soir, mais parfois aussi le lundi ou le jeudi, car la terre tourne tout le temps. J'en avais marre de ces dîners, c'était toujours à peu près pareil. Même dans la violence, le désordre et l'imprévu, c'était toujours à peu près pareil. J'y allais surtout parce que je n'avais rien d'autre à faire, parce que j'étais trop faible pour refuser, je voulais leur plaire, et parce que ces soirées me donnaient l'impression, fausse, de vivre des choses étranges. J'avais besoin de repères et d'appui sur cette terre qui tourne. Mais au fond, je m'ennuyais, chez eux comme ailleurs. Pourtant, ce soir-là, le ciel allait me tomber sur la tête et me rentrer dans le corps. Alice et Paul Mourati, bon, je prononce à la Corse, mais c'est Murati, mais bon, moi je le prononce à la Corse, à l'italienne, quoi. Alice et Paul Mourati, qui avaient de nombreux amis, formaient un couple étrange. Paul Mourati était un lion massacré, un sauvage colérique couvert de blessures qui avait fait fortune, c'est peu dire, en achetant et revendant un peu plus tard des tas de trucs bleu d'Yvelines, qu'il n'appréciait pas spécialement, mais dont il avait pressenti le suicide, qui avait côtoyé beaucoup de grands de ce monde, dont Elisabeth Taylor et Georges Pompidou. Pas ensemble. Ça me fait marrer pour, enfin, pour ceux qui connaissent la réputation de. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Et se débattait à présent, à 65 ans, dans les filets gluants de l'âge et de l'ennui, des regrets et de la peur, en secouant rageusement sa chevelure grise, une bouteille de whisky dans chaque main. Alice était à l'époque de leur rencontre une vétérinaire timide et soignée, une femme hamster avec sa petite mallette. Qu'en 14 ans, il avait changé en vétérinaire bourré du matin au soir et encore pendant 6 heures ensuite, en hamster sauvage et querelleur qui ne tenait plus sur ses pattes. A priori, avant de se prendre à bras le corps et de se mélanger, ils n'allaient pas bien ensemble. Mais avec le temps, les différences s'étaient estompées et le combat entre le hamster et le lion devenait presque égal. Le hamster avait gagné de l'audace et de la fureur, le lion avait perdu de sa superbe et de son énergie. C'était un spectacle intéressant. On pouvait les connaître et les fréquenter depuis des lustres, il restait difficile d'anticiper leurs réactions. Malgré l'alcool et le manque permanent de sommeil, ils demeuraient extrêmement vifs. De prévoir leur humeur un quart d'heure à l'avance, a fortiori 100 mètres avant d'atteindre la porte de la maison, située au fond de l'impasse, sombre. Certains soirs, ils somnolaient comme deux crocodiles grippés. À propos, je viens à peine de comprendre le véritable sens de l'expression larmes de crocodile. Pendant plus de 35 ans, abruti, j'ai cru qu'elle désignait de grosses lames abondantes. Cela fait partie de ces choses que l'on ne songe pas à remettre en question, car on en a d'autres à faire et on n'a pas la tête à ça. Il y a des tas de trucs à penser au cours d'une vie. On se dit un jour, à 6 ans, que les larmes de crocodile sont de grosses larmes abondantes, et par la suite, on ne se demande pas une fois pourquoi des yeux d'un crocodile jailliraient de plus grosses larmes que de ceux d'un éléphant ou d'un ours, ni même pourquoi les crocodiles pleuraient. Ce n'est qu'en regardant une émission pour enfants, mercredi dernier, que j'ai appris ce que tout le monde sait peut-être, c'est-à-dire que les larmes de crocodile sont de fausses larmes, rien à voir avec l'abondance, des larmes hypocrites accompagnées de cris de désespoir et de souffrance, destinées à émouvoir un adversaire ou une proie potentielle, à le tromper pour l'attirer, puis le dévorer. Je suis resté interdit sur mon canapé, baignant dans une confortable euphorie, celle qui nous enveloppe quand la lumière nous inonde, après un séjour de 30 ans dans la pénombre. Mais le choc passé, je me suis rendu compte que quelque chose clochait. Car lorsque je m'attelle sérieusement à un problème, mon cerveau tourne à plein régime. Qui allait me faire gober cette histoire de crocodile capable non seulement d'éprouver un sentiment de tristesse, ça à la rigueur peut-être, mais mieux de le feindre et de jouer une scène des lumières de la ville aussi. Car il devine, fin psychologue sous son air de brute aviné, qu'une antilope ou un ragondin sont de leur côté capables de compassion et surtout suffisamment stupides pour imaginer qu'ils vont pouvoir consoler un crocodile. Du coup, car comme je crois l'avoir déjà dit,
Quand je m'attelle sérieusement à un problème, mon cerveau tourne à plein régime et je ne lâche plus, surtout si j'ai été humilié. Je me suis documenté plus en profondeur, dans les livres donc, et j'ai appris que ce n'était en réalité qu'une légende datant du 18e siècle, ils étaient cruches à l'époque, et qu'un spécialiste du nom de Keith Howard, sans doute un type qui avait consacré sa vie à l'étude des crocodiles, il en faut, avait découvert qu'il s'agissait tout bonnement d'un phénomène mécanique. Lorsqu'il ouvre la gueule pour bâiller, vagir, car oui, il vagit, ou je ne sais quoi, disons pour essayer d'attraper un ragondin, le crocodile comprime les glandes qui sont situées près de ses yeux et donc pleure. Franchement, le ragondin qui s'en émeut, alors que l'autre a déjà la gueule ouverte pour le dévorer, n'a pas sa place dans la jungle. J'ai également appris lors de ces recherches tardives que le crocodile pouvait rattraper un homme à la course, mais je vais essayer d'effacer cette image de ma mémoire. Alors ça c'est. Et là, il y a trois parenthèses qui se ferment. Donc là, j'ai pas pu les lire, mais voilà, c'est un enchevêtrement de parenthèses, parenthèses dans une parenthèse, interrompue, puis après une quatrième parenthèse. Je pense que je m'en suis pas mal sorti là dans la lecture, même si en fait je me suis arrêté en pleine phrase. Il y a une virgule, ça continue. Et donc il y a une célérité dans l'écriture de Philippe Génadam. Et je pense que pour atteindre des longueurs de phrases comme celle-ci, il s'est rendu compte, il a dû se rendre compte qu'uniquement avec des virgules, ça devenait justement illisible, à l'œil, je veux dire. Là, moi, j'ai un problème de lecture à la bouche, quoi. Mais à l'œil, ça devenait strictement illisible. Et du coup, c'est vrai qu'avec les parenthèses, c'est quand même plus clair, quoi. Plutôt qu'un encadré de virgule, on ne sait jamais s'il finit, si c'est une périphrase, si c'est une extension, une allongeaille, on ne sait pas. Voilà. Et donc, bon, je veux dire, la phrase, elle a commencé il y a une page et demie, quoi. Et puis elle continue. Donc voilà, je vais essayer de faire ce que je peux pour rendre cette course. Mais ce qui ne passera pas, en fait, c'est l'amusement quand on voit le texte. C'est l'amusement quand on est à la troisième ouverture de parenthèse, en fait. On est un peu excité, on se demande. Ça demande une performance au lecteur, en fait. Et puis, il est dans la surenchère, quoi. Et quand on est en train de lire et qu'on se rend compte qu'il ouvre à la troisième parenthèse sans jamais encore en avoir fermé une seule, on est là où on se dit, il me met au défi, quoi, le mec. Le mec me lance un défi. Et en même temps, c'est suffisamment bien écrit pour qu'on s'y retrouve, hein. Alors je continue, virgule. D'autres soirs, les Mourati débordaient de vitalité, d'enthousiasme et de fureur, également comme les crocodiles, oui, lorsqu'ils sont en forme, mais cela pouvait se traduire soit par des explosions de bonne humeur, de lyrisme et d'allégresse atomique, soit par des crises de colère, des baffes à la cantonade et des meubles cassés. Le plus souvent, tout se mêlait en une même soirée. Le dîner auquel je me rendais, ce dimanche d'automne, serait, je ne le savais pas encore, plus calme et triste comparé à la plupart des précédents et des suivants. Les verres cassés de la veille, le changement de saison et les impôts auraient fait d'eux ce soir-là des crocodiles grippés, la gueule à peine ouverte. Et pourtant, j'allais vivre un moment troublant et ma vie en serait changée. Comme d'habitude, je suis arrivé en retard. Et voilà, c'est la fin de 1, chapitre 1. Voilà, moi ça m'a tout de suite accroché. Ça m'a tout de suite accroché. Parce que bon, ben, les parenthèses, elles servent aussi à un propos digressif, une très très belle digression, quoi, qui vire en apologue. Et j'aime les digressions. Hein? Sinon, je ne ferai pas de commentaires. J'aime ça. Je trouve que les digressions, c'est. Jamais. Oui, je trouve que c'est magnifique, en fait. C'est pour ça que, à un moment, déclaré qu'Higgins de Magnum était mon personnage préféré. Toujours une anecdote, toujours un. Hein? Ça a quelque chose à voir avec la vivacité, avec les circonvolutions, avec. Je sais pas. Au point A qui mène au point B, ça me rend triste. Je crois que c'est. Ça me donne d'une façon assez terrible, ça me confirme dans une sensation de fatum qui me désespère, tandis que la digression, même si elle ne fait pas croire à une évasion possible, elle donne l'impression d'un détour, quoi, d'une promenade, comme ça, une presque liberté, vous voyez?
Bon, voilà, c'est l'éloge de la digression par Bibi. Et là, on va se faire. Ouais, ça dure depuis pas longtemps. Putain, j'ai pas sur la vidéo le temps qui passe. Du coup, quelquefois je fais trop long. Bon, on va continuer avec deux. C'est moins viking que un. Y en a deux. Non, c'est vraiment moins viking. Allez. J'avais traîné trop longtemps au métro bar, à boire du whisky en perdant à la belote de comptoir contre Mac, le patron, et deux habitués que je ne connaissais pas encore bien. Puis dans le mouvement, en discutant avec Pierre, le barman qui était resté après son service, et quelques habitués que je ne connaissais pas bien encore, comme quelques années plus tôt, j'ai traîné trop longtemps au Saxo Bar, à 8 stations de métro de là, avec le patron Nénad, Thierry le barman qui jouait tout le temps, et des habitués avec qui j'avais passé de 5 à 6 heures par jour pendant plus de 10 ans, et que j'avais donc fini par connaître, qui m'étaient devenus des inconnus familiers. Un déménagement, un simple changement de quartier, un décalage, et tout ça me paraissait désormais très loin, au-delà d'une ligne que je ne pourrais plus jamais franchir dans l'autre sens. De toute façon, le Saxo Bar n'existe plus. Il a été vendu et transformé en cabinet médical. Plus personne, jusqu'à la fin des temps, ne pourra aller boire un verre au Saxo Bar. Deux parenthèses se ferment. Putain, j'adore. Puis ça donne une gueule graphique au texte, en fait. On dirait des cils, en fait. On dirait qu'il a perdu des cils en écrivant. C'était toujours pareil. Si j'avais rendez-vous à 21 h, j'arrivais au bar à 20 h en me disant qu'une demi-heure suffirait à me détendre et à me donner du courage pour aller affronter les Mourati et leurs amis. Je me sens toujours mal à l'aise lorsqu'il s'agit d'être en contact avec des gens, quels qu'ils soient, ailleurs que dans un bar. Donc dans un endroit où ils sont venus spécialement pour se voir, donc aussi un peu pour me voir, où il est quasiment indispensable de communiquer d'une manière ou d'une autre, de s'ouvrir au secours. Et d'où l'on ne peut pas s'enfuir après avoir simplement posé quelques pièces sur une table, ce qui est pourtant si pratique. À 20 h 30, je reprenais un whisky car le dîner n'allait pas débuter au coup de pistolet à 21 h. À 21 h, j'en demandais un dernier. Il n'était finalement pas plus tard que l'heure à laquelle il fallait arriver. J'étais à peu près dans le temps. Puis Mac m'en offrait un pour la route et un peu plus tard, pendant que j'attendais un taxi sur le faubourg Saint-Martin, je me rendais compte que je n'arriverais pas chez eux avant 22 h, 22 h 15, 30. Je me grattais la tête et me maudissais, tu es un âne, sois maudit. Je ne me sentais pas bien à cette époque-là, ce n'était que l'année dernière, mais il me semble qu'un demi-siècle est passé depuis, ou que je suis passé, moi, depuis, dans un autre monde, comme les cow-boys qui, pour qu'on ne puisse plus suivre leur piste, traverser une rivière. Attention aux crocodiles, les gars. Je n'avais pas de problème particulier. J'allais sur mes 40 ans plutôt benoîtement. J'avais un bon boulot facile et bien payé, qui ne me prenait que deux jours par semaine. Je venais d'acheter un appartement dans un quartier qui me plaisait et j'avais l'impression d'avoir pu garder le même mode de vie, à peu près le même état d'esprit qu'à 25 ans. Je me sentais relativement libre, cow-boy, au cœur du monde, mais sur des chemins peu fréquentés, chaotiques et distrayants. Je ne m'ennuyais jamais, menteur. Je pouvais m'amuser tous les soirs dehors si j'en avais envie ou rester pelotonné devant la télé avec une bonne purée et du Fanta, boire autant que je voulais, coucher avec des filles de temps en temps, sans conséquence. Je faisais à peu près ce qui me plaisait et rien ne m'empêcherait de continuer jusqu'au jour où mon corps commencerait à dérailler dans une vingtaine d'années, mais quelque chose clochait. Un problème, Lonesome Sam? Quelque chose me gênait, s'était installé à l'intérieur. Une nappe de brume qui flottait. Je ne sais pas, c'était le début de l'automne et je n'ai jamais aimé les changements de saison. Ça me perturbe. L'effort que je fais pour m'adapter aux modifications de lumière et de température me prend peut-être trop d'énergie, comme la digestion. Ou bien c'était à cause de mon récent déménagement, de l'éloignement soudain de ce quartier. L'avenue de Clichy, la rue de la Jonquière, la rue Gauthier numéro 27, où j'avais vécu 15 années denses et tumultueuses, de 25 à presque 40 ans. C'est pas de l'interlude. L'élastique qui me reliait à ce passé, à la fois proche et lointain, était probablement trop tendu. Loin de tout ça, je devenais flou. Bref, je ne sais pas, une brume à l'intérieur. Alors là, je me rends compte que comme ça court, je cours. Je lis peut-être un peu trop vite. Ouais, je lis peut-être un peu trop vite. Ce que je trouve. Ce que je trouve très, très. Enfin, ce qui me plaît beaucoup chez Jenada, en fait, c'est à la fois ben, la trivialité, mais le mélange de trivialité, de. Il parle depuis le trivial, depuis le comptoir. Et. Bon, on sent bien qu'il y a du lourd derrière,
Mais bon, il n'est pas dans l'esprit de sérieux. Et en même temps, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, il évoque, en fait, il évoque le sérieux depuis pas, c'est pas l'esprit du non-sérieux, ni un humour franc. Depuis, il évoque le non-sérieux depuis un petit esprit de déglingue, en fait. Et voilà, il évoque le sérieux depuis un petit esprit de déglingue et de blagounette. Et je trouve que ça rend sérieux attendrissant. Ça, il y a une sorte de modestie. Voilà, j'aime ça. Il y a une sorte de modestie, de légèreté surapposée. Moi, ça me le fait, en fait. Dans le taxi, en traversant la Concorde, je pensais au nombre de fois où j'étais passé là, sous les lumières de la place, puis sur le pont, vers l'autre rive de la Seine, dans 1000 taxis différents, à regarder à peu près les mêmes choses par la vitre, les mêmes immeubles, les mêmes réverbères, les mêmes passants éternels, avec juste moi qui change à l'intérieur de la voiture. C'est beau, les mêmes passants éternels, avec juste moi qui change à l'intérieur de la voiture. C'est très beau. Voilà. Et on n'est pas dans une démonstration stylistique. On est dans... C'est juste, en fait. C'est beau parce que c'est juste. Voilà. Et moi, c'est un peu une attente chez moi. Bien sûr, j'adore les très belles phrases, les trucs ciselés. Enfin, le stylisme, j'adore aussi, hein, c'est pas la question. Mais le plus important pour moi, c'est la justesse. La justesse, en fait, c'est juste. C'est la bonne image, c'est le bon mot. Si c'est juste, ça emporte tout, je trouve. C'est perso comme sensation, mais ça emporte tout. Je vous ai écouté à mes enfants des paroles de NTM, qui, quand on les écoute, pour certains morceaux, sont magnifiques, hein, je veux dire. Il y a même une. Enfin, je veux dire, des parties pris poétiques chez NTM. Qui sont explicites. Trop sophistiqué, c'est péché. Enfin, je veux dire, ils expliquent dans leur chanson pourquoi ils travaillent dans le dur, en fait, dans le crépi. Voilà. Et il y en a plusieurs, hein, de chansons qui sont vraiment, vraiment très, très fortes, hein. Très, très, enfin, inatteignables par toutes les merdes qu'on entend aujourd'hui. Et quelquefois qui sont extrêmement bien tournés, quoi. Vraiment, c'est très très bien écrit parfois. J'en étais où? Ah voilà. Il m'a déposé à l'entrée de l'impasse étroite et j'ai marché jusqu'au fond, dans la pénombre, éclairée par les quelques fenêtres allumées des maisons entre lesquelles j'avançais. Ce soir-là, je me retrouverai sans doute au milieu d'une dizaine de personnes, dont une ou deux seulement, que je ne connaîtrai pas. Paul Mourat, il m'avait donné quelques noms au téléphone, à peu près les mêmes que d'habitude. Il y aurait Jacques Quint, un écrivain, sûrement sa fiancée, Bob Royal. Je ne suis pas sûr d'avoir croisé dans ma vie plus de 20 femmes qui s'appelaient Bob. Une fille qui ne parlait pas et tentait régulièrement de le tuer. Marie-Sophie Boivin, qui revenait de 3 ans à New York et que j'avais rencontrée 7 ans plus tôt lors d'un voyage en Égypte. Luc Mérite, un mathématicien qui picolait beaucoup. Slade Vogue, le comique, sans doute pas sa fiancée, car elle avait un truc le lendemain matin de bonne heure, et Pascal Balteau, une ex-chanteuse qui avait fait 2 tubes dans les années 70 sous le nom de Craven, ainsi que ce qui restait pour moi son plus grand titre de gloire, mais n'avait apparemment marqué personne d'autre, un duo avec Joël, la chanteuse d'Il était une fois, intitulé Je n'oublierai pas. Peut-être aussi Patrick Hudlin et Marie-Lise Véronèse, l'effervescente banquière du couple, mais ce n'était pas certain. Et encore une ou deux personnes. Alors, je trouve que les noms de personnages sont tellement chiqués que ben, je sais pas pourquoi ils sont chiqués à ce point. Soit on choisit en fait d'accepter. Ça renforce
le caractère léger, blague en fait, du livre. Mais vous allez voir qu'en fait, l'histoire est très lourde en fait. L'histoire est très puissante, très noire. Et je me demande s'il avait raconté ça dans un esprit de noirceur, ça aurait été terrible, quoi. Et donc là, ça commence, et il avance masqué, en fait, hein. Il était masqué bien avant le coronavirus. Parce que ce qu'on va se prendre dans la gueule derrière, mes amis, ça va dépoter. En y réfléchissant, je crois que les Mourati n'avaient pas d'amis, au sens que donnent à ce mot les spécialistes des sentiments humains. Alice et Paul, seuls et perdus, les invitaient parce qu'ils avaient besoin de percevoir de l'agitation autour d'eux, de la force et de la chaleur, et eux venaient parce qu'ils étaient invités, savaient qu'ils mangeraient bien, pourraient boire du bon whisky et du bon vin, et surtout parce que la maison des Mourati était une sorte de cube hermétique en plein Paris, d'enclos d'insouciance et d'impunité, à l'intérieur duquel on pouvait faire n'importe quoi sans jamais en subir les conséquences. On pouvait se montrer stupide ou violent et ne jamais le lendemain, ni lors du dîner suivant, en éprouver de honte, ni essuyer de quelconque remontrance. On pouvait casser une chaise, menacer un adversaire avec l'un des cinq sabres accrochés au mur, se jeter aux pieds de la femme de l'un des invités pour lui déclarer une flamme singulière, pleurer comme un bambin, en reniflant fort, ou gifler celui qui s'entêtait à ne pas vouloir être d'accord avec vous. On sortait toujours de chez eux intact, comme si rien ne s'était passé dans la vraie vie, comme si tout cela n'avait été qu'une fiction dans le cube, un jeu d'expérience en laboratoire. Tous ces gens ne voyaient jamais les Mourati dans la journée, jamais en dehors des dîners. J'ai ouvert le portail, de l'intérieur, en passant mon bras entre deux barreaux, avancé sur les dalles de l'allée parmi toutes sortes de plantes et d'arbustes plongés dans l'obscurité. J'ai gravi les sept marches de pierre qui menaient à la porte et j'ai sonné. J'entendais de l'opéra à l'intérieur. J'ai une image ridicule dans la tête et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je vois un type en short noir et maillot blanc, avec un numéro épinglé sur la poitrine, le 12, qui court à toute vitesse sur une piste d'athlétisme, en serrant les dents et en levant haut les genoux. Dans le couloir voisin, à quelques mètres derrière lui, un crocodile survolté est en train de le rattraper. Bon. Voilà. Voilà, je pense que vous pouvez vous rendre compte de l'esprit général du livre. J'espère que je m'en suis sorti honnêtement en termes de lecture. Je crois. Même si je suis allé un peu vite, même si j'ai pas. Je pense que le texte est en partie accessible. Et je vais m'arrêter là. Parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. J'en ai fait de trop longues, en fait. Puis moi, je sais ce qui vient après. Alors, on va profiter pendant un petit moment, là, pendant quelques jours, du caractère guilleret des débuts. J'ai tellement de choses à dire sur ce livre, sur ce qu'il raconte. Sans lui ressembler, je ressemble tellement au personnage principal, dans la façon de penser, en fait, dans la façon d'être, qui va se déployer ensuite, que, je sais pas, c'est un des livres importants de ma vie. Comme on peut avoir une chanson des années 80, allègrement méprisée par l'intelligentsia, qui est importante pour nous en fait. Bon, attention, hein, Philippe Jenada, il n'est pas allègrement méprisé par l'intelligentsia, d'abord parce que c'est un type formidable, mais aussi parce que c'est un très bon écrivain. Donc voilà. Et puis il a du courage en fait. Enfin, c'est même pas du courage, il est ce qu'il est. Mais il écrit en affichant comme ça une sorte de distance. Cette distance vis-à-vis du sérieux dont je parlais. Il n'est pas non plus dans un concours d'esprit, quoi. Vous allez voir comme j'ai de l'humour. Pas du tout, quoi.
Il y a une sorte de je m'en foutisme nonchalant. Et comme derrière, il y a aussi des grands sentiments, pas des grands, des sentiments profonds qui sont exprimés, des expériences profondes. À la fin, c'est brillant, en fait. Et au début, dès le début, moi, je trouve que c'est brillant. Voilà. Donc, voilà, je suis content de le relire, en fait. Allez, à demain.